Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à l'heure de notre programme de prière et de jeûne de 70 jours du ministère de la montagne des faits et des miracles 2021, la bataille de la prière 2. Amen. Tendre Père, notre Dieu Jéhovah, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci pour les dons de la vie, ô Éternel, car c'est à toi que viennent la vie, l'être et le mouvement. Merci, tendre Père, pour tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Merci pour le pain de tous les jours, de chaque matin, Seigneur. Merci, Éternel, pour l'eau. Merci pour la protection, Papa, de nos vies, de nos familles, de nos biens. Merci, Éternel, puisque tu n'as pas permis à l'ennemi, Seigneur, de se réjouir à notre sujet. Sois célébré, sois magnifié, tendre Père, pour toutes choses de visibles comme d'invisibles, tu as opéré dans nos vies. Merci, puisque tu as balisé nos chemins, Seigneur, il n'y a pas eu de bête sauvage. Sois honoré, tendre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est une grâce de participer à ce programme de prière. Merci pour la force et l'endurance que tu nous as accordée. Sois célébré, honoré, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de nous avancer tels que nous sommes. Car en nous, il y a encore les œuvres de la chair. La haine est là, la colère est là, le vol est là, Seigneur. Papa, aie pitié. L'impudicité est là. Pardonne-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que le sang de ton Fils puisse nous laver de ses puretés, nous purifier de ses impuretés, Seigneur, et nous sanctifier de ses impuretés au nom de Jésus-Christ. Oui, tendre Père, laisse que le sang de Jésus efface les conséquences du péché qui agit actuellement dans nos vies. Oui, les conséquences du péché qui donne accès à l'ennemi dans nos vies et les conséquences du péché qui agit dans notre lignée au nom de Jésus-Christ. Merci, tendre Père, pour l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit de force, l'Esprit de Jésus-Christ. Laisse qu'il prenne contrôle de nos vies, de nos âmes, de nos esprits. Laisse que le Saint-Esprit maîtrise tout esprit en nous. Oh oui, la parole déclare, là où il y a le Saint-Esprit, l'ennemi ne peut atteindre. Il prend fuite dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'inonder l'atmosphère par ton feu. Oui, Saint-Esprit, charge nos demeures avec ton feu, dans le nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu, illumine nos yeux spirituels, illumine nos cœurs, afin de prier selon toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 8, 28 nous dit ceci, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Oui, Seigneur, nous voulons élever le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a payé de sa vie pour nous affranchir. Amen. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à l'histoire de ma vie que tu réécris. L'ouvrage de tes mains. Oh, quand je pense à comment tu me fais récupérer ce que le diable m'a volé. L'ouvrage de tes mains. Oh, et quand je pense à comment tu m'as rendu inébranlable. Oh, yeah.
Oh oui, Seigneur, mes mots me manquent pour t'adorer, pour te célébrer. Toi, le Dieu d'amour, ah Jésus-Christ Nazareth, tu as accepté de quitter le trône royal pour venir prendre la place de moi, la pécheresse, le pécheur. Sois béni, sois exalté, sois sanctifié, oh Jésus. Le Dieu d'amour, le parfait, l'amour parfait du Père. Les dons de Dieu pour l'humanité, Seigneur. Qui est comme est-ce que toi, tu lèves les mains devant ton Dieu ce matin? De là où tu es, est-ce que tu lèves les mains en signe de révérence à ton Dieu? Mais nous nous manquons, Seigneur, pour te louer. Dans ma vie, Seigneur, pour le proclamer. C'est tellement si nombreux, oh Dieu. Le Dieu de tes miracles, Seigneur. Sois béni, Car ce que tu fais dépasse l'entendement de l'homme. Nous ne savons pas si notre entendement est éternel aux yeux. Mais pourquoi c'est toi qui commandes dans nos vies? Si tu l'acclames, fais-le avec ferveur. C'est toi qui combats pour nous. Si tu pousses des cris de joie, fais-le avec ferveur. Si tu le célèbres, fais-le avec ferveur. Alléluia. Et nous a aimés d'un amour inconditionnel, disons. Toi qui détruis les destructeurs de nos vies, c'est toi qui démantèles les démantèlements de nos vies. Sois honoré, sois béni, tu m'as tellement aimé, tout ce que tu as fait, plus que parfait. Sois béni, sois béni, sois béni, que nous ayons combien sur nous. C'est une déclaration d'amour que nous faisons monter vers notre Dieu ce matin. Tu m'as tellement aimé, Jésus. Hosanna à toi, l'admirable Christ. Hosanna à toi, Emmanuel. Dieu parmi nous, tu es là. Avec moi. Tu es là, tu es là, tu es puissant au milieu de nous, Seigneur. Louange à toi, la Seigneur, qui ouvre toutes les portes de nos vies, Seigneur Jésus. Hosanna à toi qui marches sur les champs. C'est toi qui marches sur les champs. Élève la voix. Ah, tout Jésus, tu veux ma connaître. Sois béni, Seigneur. Ah, tu m'as aimé d'un amour exceptionnel, Seigneur. Ah, je te loue, je te célèbre, je te magnifie. Le juste de Yahweh, mon Seigneur et mon maître. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince des princes, tu es Dieu. C'est par toi que tout est fait. Ah, Seigneur, sois béni. Hosanna, Hosanna, Seigneur, qui est venu de toi. Oh, Jésus, sois béni dans le chemin. Ma vie est la vérité, la lumière de ma vie. Ah, la lumière de ma vie, je vis sur toi. Le soleil, le vent, le ciel, le vide, le vide, le c'est toi, Seigneur. Mon âme est adorée, mon âme est célébrée. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tu m'as tellement aimé, d'un amour exceptionnel. Merci, merci, merci. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18 nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous voulons louer notre Dieu selon qu'il est écrit dans le manuel. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour m'avoir attiré à la prière et à la puissance. Oui, nul n'est venu auprès de toi sans que tu l'attires.
Merci Seigneur pour ces moments glorieux, pour ces moments puissants. Merci pour le salut de mon âme, Seigneur. Tu m'as racheté, tu m'as sauvé, Seigneur. Merci de m'avoir baptisé avec l'Esprit Saint, l'Esprit de feu, l'Esprit puissant, l'Esprit supérieur qui fait de nous des hommes forts. Merci d'avoir rempli ma vie des dons spirituels qui est utile pour l'utilité commune. Merci pour les fruits de l'Esprit qui me guide et les fruits du Saint-Esprit qui nous guide jour et nuit. Merci pour les dons magnifiques et des louanges, Seigneur, que nous montons les louanges auprès de toi. Tous les moyens divers par lesquels tu es intervenu dans mes affaires, Seigneur. Merci pour ta main puissante qui s'est manifestée dans ma vie. Tu as agi autrement, Seigneur, différemment dans ma vie. Merci pour ton plan divin pour ma vie, Seigneur, qui ne sont que le projet de bonheur, de paix et non de malheur. Seigneur, merci pour ta promesse de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Raison pour laquelle tu m'as envoyé le Saint-Esprit qui est là, qui sera tout le temps avec moi. Merci de m'avoir amené à la maturité, à la vie profonde, Seigneur. Oui, avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Oui, tu nous as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, nous prospérons. Et dans la prospérité, nous atteignons la maturité. Merci de m'élever quand je tombe. Oh Jésus, tu ne m'abandonnes pas. Quand je tombe, tu es là, tu me relèves. Tu me relèves, Seigneur, dans cette marche avec toi. Merci de me garder en parfaite paix. La paix, le shalom de Dieu qui vaut mieux que toutes choses. Merci, Seigneur, pour faire concourir toutes choses à mon bien. Oui, me délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste et des séraphages. Le filet de l'oiseleur, de la peste et du COVID, de tous ces contagions qui frappent en plein midi. Seigneur, Père, tu nous délivres de toutes ces pestes, Seigneur, nous te disons merci. La puissance extraordinaire dans la parole et dans le sang de l'agneau, la parole de Dieu qui est puissante et qui agit puissamment dans nos vies, dans le sang de Jésus-Christ qui nous protège, le sang de Jésus-Christ qui est notre bouclier, Seigneur, merci. Seigneur, merci d'avoir ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Oui, les anges que tu as disposés en notre faveur, les anges qui sont là pour défendre, pour agir, pour intervenir en notre faveur, nous te disons merci. Merci d'avoir combattu mes adversaires. Tu as fait de mes adversaires mes marchepieds. Merci Seigneur, merci d'avoir fait de moi plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur avec toi. Je suis plus que vainqueur avec Jésus. Avoir pourvu à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Merci Jésus-Christ, Seigneur. Oh Père, tu pourvois mes besoins quotidiens. Tu pourvois, Seigneur, à nos besoins, Seigneur. Merci pour la puissance de guérir mon corps, mon âme et mon esprit. Tu guéris mon âme de tout mal. Tu guéris mon âme, tu guéris mon corps, tu guéris mon esprit d'avoir inondé mon cœur de la lumière du ciel. Tu illumines nos vies, Père. Merci de me faire triompher toujours en Jésus-Christ. Et oui, avec Jésus, nous triomphons. Nous triomphons, Seigneur, quel que soit le combat, quel que soit les embûches, quel que soit le miracle, nous sommes plus que vainqueurs avec toi, Jésus. Avoir transformé mes malédictions en bénédictions, oui, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Les malédictions de ma vie, Seigneur, tu les as transformées en bénédictions. Merci pour cette promesse éternelle. Merci de me permettre de vivre en sécurité. Oui, ton ange et tes anges campent tout autour de moi et m'évitent des dangers. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les bénédictions de la vie. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Merci pour ta gloire. Merci ta majesté. Merci ta splendeur et ta justice. Merci d'avoir réduit au silence l'ennemi et le vindicatif. Ah, ils sont réduits au silence au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu es à ma droite. Je ne chancellerai pas. C'est une assurance. Tu es à ma droite. Tu es à ma droite, Seigneur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, ô Éternel. Je ne chancellerai pas. Merci d'être digne de confiance et de venir au secours de tien. Ne pas permettre à mes ennemis de se réjouir à mon sujet.
dire, oui, Seigneur, c'est toi qui anéantis les projets des hommes érisés et leurs mains ne pourront pas les accomplir. Ton amour extraordinaire, merci. Merci pour ton amour extraordinaire. Ton amour, Seigneur, qui nous a donné ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous racheter. Il est venu racheter l'humanité entière. Merci, Seigneur Jésus. Merci, car tu es digne de louange. Merci, Seigneur, d'avoir délivré mon âme de la mort et mes pieds du trébuchement, Seigneur. Même si je tombe, Seigneur, tu me relèves. Tu me relèves, Seigneur. Merci, Seigneur, d'être ma forteresse et mon refuge dans la détresse. Oui, l'Éternel, tu es la tour forte, ma tour forte, Seigneur, où le juste se réfugie. Oui, Seigneur, nous nous réfugions à toi. Tu es notre forteresse. Merci pour ta fidélité et tes actions merveilleuses à ton action. Merci à mon égard, Seigneur. Merci pour toutes les bonnes choses. Merci pour toutes les choses, bonnes choses que tu accomplis à mon égard. Merci pour tes actes de puissance et ta grandeur incomparable. Merci d'avoir ôté l'aveuglement spirituel de mon esprit. Oui, les écailles sont tombées, les voiles sont tombées, Seigneur. Nous pouvons voir clairement, nous pouvons, Seigneur, distinguer le mal et le bien. Merci, Seigneur. Merci d'avoir retiré de profondeur mes gardes et d'affermir mes pas. Ton nom, Seigneur, est une tour forte. Le juste se réfugie et y en est en sécurité. Oui, tu es notre tour forte. La tour forte de nos vies, la tour forte de nos nations, la tour forte de nos familles, la tour forte, Seigneur, où nous sommes venus nous réfugier, où nous sommes venus nous réfugier, Seigneur, pendant que la peste frappe en plein midi, tu es notre tour forte, tu es notre tour forte, Seigneur. Nous sommes venus nous réfugier, Seigneur, dans ces programmes de prière, dans ces programmes de 70 jours, de jeûne et prière. Notre tour forte, nous sommes venus nous réfugier. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, majesté, majesté, que la gloire et l'honneur te reviennent, car tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Gloire. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de force, nous voici, toi qui avais investi Gédéon avec le paix. Et oui, Seigneur, nous voici. Donne-nous le paix de l'Éternel. Oh oui, Seigneur, pour aller dans le combat, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia, alléluia, les triomphes, la victoire, la délivrance est possible pour qui lutte à genoux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu nous conduis de victoire en victoire. C'est notre cinquième jour de la sixième section, démanteler les démanteleurs. Avant d'aller démanteler les démanteleurs, avec l'aide de Dieu, nous allons nous couvrir de l'armure céleste, le sang de Jésus-Christ, contre les représailles de l'ennemi et ceinturer tout ce que nous avons de précieux avec les haies de feu et les couvrir avec le sang de Jésus-Christ. Amen. Toute bataille assignée à fermer la porte de ma joie meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute bataille assignée à fermer la porte de ma joie meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Ah, laisse que toute bataille, tout combat envoyé à fermer la porte de ma joie mourir dans le nom de Jésus. Toute maladie envoyée pour fermer la porte de ma joie, la porte de mon bonheur, meurt au nom de Jésus. Toute maladie, toute pauvreté envoyée à fermer la porte de ma joie, mourir dans le nom de Jésus. Toute porte, toute bataille assignée à fermer la porte de la joie de mes enfants, ô Père. Laisse qu'ils meurent dans le nom de Jésus. Toute bataille assignée à fermer la porte de la joie de mon mari, de ma femme, de mes frères et sœurs, meurent au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute bouche qui détruit mon témoignage prend feu et brûle au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute bouche qui détruit mon témoignage prend feu et brûle au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je libère le feu sur toute bouche maléfique qui est en train de détruire mon témoignage dans le nom de Jésus. Cette bouche maléfique, ouinte par les ténèbres, qui est en train de démolir, de saccager le témoignage de ma famille au nom de Jésus. Oh oui, cette bouche maléfique qui est en train de détruire le témoignage de mes enfants, prenne feu et brûle dans le nom de Jésus. Toute bouche, toute langue maléfique qui est en train de détruire le témoignage de mes affaires, de mon couple, de mon mari, ma femme, prenne feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute bouche qui profère des enchantements contre mon témoignage soit réduite au silence par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute bouche qui profère des enchantements contre mon témoignage soit réduite au silence par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je viens faire taire toute bouche maléfique qui est en train de proférer des enchantements, des incantations, des imprécations contre mon témoignage. Dans le nom de Jésus, cette bouche ouinte par les ténèbres qui est en train de proférer des enchantements, des imprécations, des incantations contre le témoignage de mes enfants, le témoignage de mon mari, ma femme, le témoignage de mon couple, le témoignage de mon emploi, de mes entreprises, soyez réduites maintenant au silence par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Lion de Juda, lève-toi et détruis les tueurs de mon témoignage maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lion de Juda, lève-toi et détruis les tueurs de mon témoignage maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, lève-toi, détruis tout tueur de mon témoignage maintenant dans le nom de Jésus. Détruis les tueurs de témoignage de ma famille. Papa, détruis-les dans le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, détruis, papa, les tueurs de témoignage de mes enfants, de leurs études. Oh Père, détruis-les dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les tueurs de témoignages, écoutez la parole de l'Éternel.
Je vous condamne à une folie obligatoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les tueurs de témoignages, écoutez la parole de l'Éternel. Je vous condamne à une folie obligatoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, vous tueurs de témoignages, écoutez la parole de l'Éternel. Vous êtes condamnés à une folie obligatoire maintenant. Par le feu, dans le nom de Jésus, je vous condamne tous les tueurs de témoignages de mes enfants. Ô Père, à la folie obligatoire, dans le nom de Jésus, les tueurs de témoignages de mon mari, de ma femme, de mes entreprises, écoutez la parole de l'Éternel. Vous êtes condamnés à une folie obligatoire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu de la vengeance, lève-toi. Et visite les ennemis de mes témoignages avec ta colère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu de vengeance, lève-toi et visite les ennemis de mes témoignages avec ta colère, au nom de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, toi le Dieu de vengeance, Seigneur, comme la parole déclare, la vengeance appartient à toi. Lève-toi, visite tous mes ennemis, les ennemis de mes témoignages, les ennemis témoignages de ma famille, de mon couple, de mes affaires, oh Dieu, avec ta colère, dans le nom de Jésus. Que la colère de Dieu, Papa, identifie tout ennemi de mes témoignages, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi. Et que mes témoignages choquent mes ennemis et surprennent mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et que mes témoignages choquent mes amis et surprennent mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, mon Père, lève-toi, Seigneur. Laisse que l'Éternel mes témoignages choquent tous mes amis, oh Papa, et surprennent mes ennemis dans le nom de Jésus. Papa, laisse que mes ennemis soient surpris, oh Dieu. Papa, à cause du témoignage que tu feras dans ma vie. Ah oui, laisse que ces témoignages choquent mes ennemis. Choquent mes amis dans le nom de Jésus. Oh Papa, lève-toi. Que mon travail choque mes amis, oh Dieu. Et surprenne mes ennemis qui en veulent, Seigneur, jurer que je serai dans la pauvreté. Oh Papa, lève-toi. Laisse que les témoignages de ma santé choquent mes amis, oh, surprenne mes ennemis qui croyez me voir mourir dans le nom de Jésus. Papa, lève-toi, que les témoignages de mon ménage, chaque mes ennemis, de mon mari, à son caractère, et surprennent les ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen, au Père. Laisse que, Seigneur, les témoignages de mes enfants choquent mes ennemis et surprennent mes ennemis qui croient que mes enfants vont échouer au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton mur de ténèbres autour de moi, ange de Dieu, brisez-les au nom de Jésus. Tout mur de Jéricho, tout mur de ténèbres autour de ma vie, autour de ma guérison, ange de Dieu, brisez-les dans le nom de Jésus. Tout mur de ténèbres autour de mes affaires, de mon entreprise, ange de Dieu vivant, brisez-les dans le nom de Jésus. Ce mur, cette forteresse de ténèbres autour de mes enfants, de leurs études, ange de Dieu vivant, brisez-les dans le nom de Jésus. Ce mur de ténèbres autour, Seigneur, de ma fécondité. Ange de Dieu, brisez-les dans le nom de Jésus. Tout mur de ténèbres autour de mon plan marital, des plans marital de mes enfants, de ma famille. Ange de Dieu, lève-toi, brisez-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Royaume de ténèbres qui suscite la bataille de la mort dans ma vie. Tonnerre de Dieu, dispersez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Royaume des ténèbres qui suscite la bataille de la mort dans ma vie. Tonnerre de Dieu, dispersez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Tonnerre de Dieu, lève-toi et disperse tout royaume des ténèbres qui suscite la bataille de la mort dans ma vie, dans le nom de Jésus. Oh oui, ce royaume des ténèbres qui suscite la bataille de la maladie dans ma santé. Ah, tonnerre de Dieu, disperse-les dans le nom de Jésus. Ce royaume des ténèbres qui suscite la bataille de la pauvreté, oh oui, dans ma vie, tonnerre de Dieu, disperse-les dans le nom de Jésus. Ce royaume des
ténèbres qui suscitent les chacun dans la vie de mes enfants, dans leurs études, dans leur travail. Tonnerre de Dieu, lève-toi, disperse-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir cruel assigné à gâcher ma vie dans la bataille, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir cruel assigné à gâcher ma vie dans les batailles, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que tout pouvoir assigné à gâcher ma vie dans les batailles cruelles, oh Père, laisse qu'il soit détruit au nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique et cruel envoyé à détruire ma vie dans les batailles, à gaspiller ma vie dans la bataille, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la limitation, dans des disputes, ah Père, laisse qu'il meure dans le nom de Jésus. Ce pouvoir cruel, méchant, assigné à gâcher mon ménage dans des batailles de disputes inutiles, des incompréhensions, mourir dans la non-puissance de Jésus. Ce pouvoir cruel, oh oui, maléfique, assigné à gâcher la vie des membres de ma famille dans des combats inutiles, oh oui, Père, laisse qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir qui met les batailles entre mes mains, reprenez votre fardeau et mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir qui met les batailles entre mes mains, reprenez votre fardeau et mourrez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, toi propriétaire des fardeaux maléfiques, reprenez votre fardeau de bataille dans le nom de Jésus. C'est pour vous qui mettez les batailles entre mes mains. Reprenez vos fardeaux maintenant dans le nom de Jésus. C'est pour vous qui mettez les batailles entre les mains de mes enfants, de ma famille, de mon mari, ma femme, de mes frères et soeurs. Reprenez tout fardeau dans le nom de Jésus. Ah oui, fardeau de la maladie, fardeau de la pauvreté, je ne suis pas ton candidat, répéter qui paierait tes fardeaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et frise tout homme qui travaille avec Satan pour détruire ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et frise tout homme qui travaille avec Satan pour détruire ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, Yahweh, lève-toi et frise tout homme qui travaille avec Satan pour détruire ma vie. Dans le nom de Jésus, cet homme oint par les ténèbres pour détruire ma vie, oh Père, frise-les au nom de Jésus. Qui que ce soit, celui qui a pour mission de détruire la vie de mes enfants, détruire leur scolarité, dans le nom de Jésus, qu'il soit détruit, frustré, dans le nom de Jésus, c'est pour voir qui a pour mission de détruire ma vie, ma santé, mes finances, mon ménage. Oh Dieu, Papa, laisse qu'il soit détruit dans le nom de Jésus. Sois frustré au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute marque étrange qui maudit ma destinée, je te déchire au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute marque étrange qui maudit ma destinée, je te déchire au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je viens déchirer toutes marques maléfiques, marques étranges qui sont en train de maudire ma destinée dans le nom. Je te déchire avec les paix de feu. Cette marque étrange qui est en train de maudire ma santé, mes finances, mes enfants. Je vais déchirer cette marque de ténèbres qui est en train de maudire mes affaires, mon travail. Je te déchire à mille et une portions irrécupérables au nom de Jésus-Christ. Amen. Destruction, tomber sur tous les pouvoirs qui me donnent de mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Destruction, tomber sur tous les pouvoirs qui me donnent de mauvais rêves au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je libère la destruction de Dieu sur tout pouvoir qui me donne de mauvais rêves dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs manipulateurs qui me donnent de mauvais rêves, qui changent mes bons rêves en mauvais rêves. Oh Dieu, Papa, détruis-les,
dans le nom de Jésus. Destruction de l'éternel tombée, c'est tout le pouvoir qui donne des mauvais rêves à mes enfants, dans le nom de Jésus. Ah oui, destruction de l'éternel tombée, c'est tout pouvoir qui donne des mauvais rêves à mon mari, qui manipule ses pensées, manipule ma femme, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Ah oui, c'est ces pouvoirs maléfiques qui me donnent de mauvais rêves. Oh, Père, laisse que ta destruction s'abatte sur eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir furieux pour me rendre pauvre meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir furieux pour me rendre pauvre meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que tout pouvoir qui est en colère pour me rendre pauvre, tu es un menteur, meurt par le feu. Dans le nom de Jésus, ce pouvoir en colère pour rendre ma santé pauvre, meurt par le feu, meurt par le feu, meurt par le feu au nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique, tu es un pouvoir en colère pour rendre ma vie spirituelle pauvre. Tu es un menteur, meurt par le feu, dans le nom de Jésus. C'est pouvoir furieux pour rendre la vie de mes enfants, leur travail, leurs études, pauvre intellectuellement. Tu es un menteur, meurt par le feu, dans le nom de Jésus. C'est pouvoir maléfique des ténèbres en colère pour rendre pauvre la vie de mon mari, sa santé, son travail, ses entreprises, ma femme, mes frères et soeurs, ma famille, oh Dieu, est-ce qu'il meurt au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir qui tire la force contre moi, au Seigneur, disgracie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir qui tire la force contre moi, au Seigneur, disgracie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, lève-toi. Humilie, Seigneur, ce pouvoir qui tire la force contre moi, dans le nom de Jésus. Ce pouvoir des ténèbres qui tire la force contre mes enfants. Papa, lève-toi, disgracie-les, humilie-les publiquement, dans le nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique, oh Dieu, qui tire la force contre mes entreprises, mon travail. Oh Papa, humilie-les publiquement, dans le nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique qui tire la force, Papa, de mon mari, ma femme, Papa, tire la force contre mon mari, ma femme. Oh Seigneur, disgracie-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et arrache les armes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, lève-toi et arrache les armes de mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, lève-toi, Seigneur. Arrache toutes les armes de mes ennemis façonnées contre moi, dans le nom de Jésus. Quelle que soit l'arme, arme de la maladie, de la pauvreté, de la limitation, Papa, arrache-les. Arrache toute arme que l'ennemi a contre mes enfants. Ah, l'arme de la délinquance, vagabondage. Oh, arme de vol. Papa, enlève-les, détruis-les, arrache. Arrache des mains de mes ennemis, dans le nom de Jésus. Arme de dispute dans mon couple, oh Dieu. Arme de faillite, Seigneur, arrache-les maintenant. Mes mains de mes ennemis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les flèches qui feront secouer la tête des gens par pitié, retournez à votre expéditeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les flèches qui feront secouer la tête des gens par pitié pour moi, retournez à votre expéditeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, toutes flèches maléfiques que l'ennemi a libérées contre moi, oh Dieu, qui feront secouer la tête des gens par pitié pour moi, laisse qu'ils retournent à l'expéditeur dans le nom de Jésus. Toutes les flèches qui volent la journée, qui volent la nuit, qui volent le matin, oh oui, qui feront secouer la tête des gens par pitié, oh Père, laisse qu'ils retournent à l'envoyeur maintenant dans le nom de Jésus. Cette flèche de la maladie, cette flèche de misère, cette flèche, Seigneur, de la pauvreté, ces flèches de divorce, des échecs. Ah, Papa, qui feront secouer la tête des gens par pitié. Papa, laisse qu'ils retournent avec effet immédiat. Cette fois,
à son envoyeur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pouvoirs méchants qui répandent mes bénédictions comme l'eau, soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pouvoirs méchants qui répandent mes bénédictions comme l'eau, soyez détruits au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que tout pouvoir maléfique qui est en train de répandre mes bénédictions comme l'eau, ce qui soit détruit dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs maléfiques qui est en train de gaspiller mes bénédictions, de détruire mes bénédictions, papa comme l'eau, soyez détruits maintenant dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs maléfiques qui est en train de répandre les bénédictions de mes enfants comme de l'eau, Yahweh, qui soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Les pouvoirs méchants qui répandent les bénédictions de mon mari, de ma femme, de mes frères et soeurs, papa comme de l'eau, Père, laisse qu'ils soient détruits maintenant dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs maléfiques qui sont en train de répandre de mes bénédictions nuptiales, c'est mes bénédictions financières, oh papa comme de l'eau, laisse qu'ils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Oh, ce pouvoir méchant qui est en train de répandre mes bénédictions sociales comme de l'eau, Yahweh, qui soit détruit vraiment au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, fais sortir ton épée contre les pouvoirs maléfiques qui me préparent pour l'opprobre au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, fais sortir ton épée contre les pouvoirs maléfiques qui me préparent pour le pauvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, lève-toi, oh Père, dans toute ta colère et détruis tout pouvoir maléfique qui me prépare à le pauvre dans le nom de Jésus. Papa, fais sortir ton épée à double tranchant contre ces pouvoirs maléfiques qui préparent ma santé, mes finances à l'opprobre, mon travail à l'opprobre. Papa, laisse que ton épée s'abatte sur eux. Ces pouvoirs maléfiques qui préparent mon entreprise à l'opprobre, mon mariage à l'opprobre dans le nom de Jésus. Papa, fais sortir ton épée contre les pouvoirs maléfiques qui préparent ma famille pour l'opprobre au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pleurs ne remplaceront pas les rires dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les pleurs ne remplaceront pas les rires dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que les pleurs ne vont pas remplacer les rires dans ma vie. Jamais dans le nom de Jésus. La maladie ne va pas remplacer la bonne santé dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh oui, la pauvreté ne remplacera pas la richesse dans ma vie. Ah oui, dans le nom de Jésus. L'échec ne remplacera pas la réussite dans la vie de mes enfants. Dans le nom de Jésus. Les disputes ne remplaceront pas la paix dans mon ménage, dans le nom de Jésus. Oh, le chômage ne remplacera pas le travail dans ma vie, dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les batailles qui ont juré de me tuer à la fin mourront au nom de Jésus-Christ. Amen. Les batailles qui ont juré de me tuer à la fin mourront au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité dans le nom de Jésus. Laisse que toute bataille qui ont juré de me tuer à la fin mourront dans le nom de Jésus. Je les déclare par l'autorité dans le nom de Jésus. Toute bataille qui ont juré, ah oui, de me tuer à la fin, ah, ne me vaincra jamais. Ils doivent mourir dans le nom de Jésus. Toute bataille, toute situation maléfique qui ont juré, Seigneur, de tuer ma santé, mes finances, mon mari à la fin. Oh Père, laisse qu'il meure dans le nom de Jésus. Ces batailles maléfiques, oh Dieu, qui a juré de tuer, Seigneur, mes enfants, leurs études à la fin. Ah oui, laisse qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Les batailles qui ont juré de me tuer ma vie spirituelle à la fin. Ah Yahweh, laisse qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ. Ah. Les batailles des familles assignées à enterrer ma tête, libérer ma tête et mourir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les batailles de famille assignées à enterrer ma tête, libérer ma tête et mourir au nom de Jésus-Christ. Amen.
par l'autorité dans le nom de Jésus. Lorsque toute boîte est envoyée pour enterrer ma tête. Ah, vous êtes c'est de la farce. Libérez ma tête et mourrez. Libérez ma tête et mourrez. Libérez ma tête et mourrez. Dans le nom de Jésus, toute bataille de famille envoyée à enterrer ma tête. Alors, cette bataille qui empêche ma tête de se lever, alors, qui empêche ma vie d'avancer. Oh Père, laisse qu'il libère ma tête. Libérez mon avancement. Libérez ma santé. Libérez ma vie spirituelle. Dans le nom de Jésus, toute bataille assignée à empêcher ma famille de respirer. Ah, soit détruite. Soit détruite. Libérez ma famille. Libérez ma tête, libérez ma tête dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de ma destinée, libère le humeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de ma destinée, libère le humeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de ma destinée, de les libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Et qu'il meure, ce pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de la réussite de mes enfants, à les libérer et mourir dans le nom de Jésus. Ce pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de ma santé, à les libérer et mourir dans le nom de Jésus. Ce pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de l'élévation. Oh oui, Père, laisse qu'il les libère et qu'il meure dans le nom de Jésus. Ce pouvoir dangereux dans ma fondation qui garde les clés de la paix de mon ménage. À les libérer et les mourir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Lève-toi et élève-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Lève-toi et élève-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Yahweh, mon Père, lève-toi, Seigneur. Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête. Lève-toi, élève-moi, éternel, oh Dieu. Relève ma tête au-dessus de mes ennemis. Élève ma tête au-dessus des combats. Élève ma tête au-dessus de l'opprobre, de la pauvreté, de la maladie. Oh Dieu, c'est toi ma gloire et celui qui relève ma tête. Lève-toi, élève-moi, élève mes enfants, oh Dieu, au-dessus de la médiocrité, du vagabondage, de l'échec. Élève mon mari, ma femme, mes frères et sœurs. Élève mes affaires, oh Dieu. Car c'est toi qui es ma gloire et celui qui me relève ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'alliance des sangs assignée contre moi, brise-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. L'alliance des sangs assignée contre moi, brise-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, ah, j'utilise le sang de Jésus-Christ. Ah oui, pour briser toute alliance démoniaque, alliance de sang familial assignée contre moi, dans le nom de Jésus. Que cette alliance assignée contre ma santé soit brisée par le sang de Jésus. Alliance de sang assignée contre mon finance, papa, laisse qu'il soit brisé par le sang de Jésus. Alliance de sang maléfique assignée contre ma vie spirituelle, elle soit brisée au nom de Jésus. Sang de Jésus, brise toute alliance de sang assignée contre mes enfants, leur destinée, dans le nom de Jésus. Ah, sang de Jésus, détruis, brise toute alliance de sang assignée contre mon ménage, mon mari, ma femme, ma famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir qui amplifie mes problèmes, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pouvoir qui amplifie mes problèmes, mourez au nom de Jésus-Christ. Amen. Par l'autorité dans le nom de Jésus, laisse que ce propre pouvoir qui est en train d'amplifier mes problèmes, d'étendre mes problèmes, oh Dieu, papa, d'amplifier la maladie dans ma vie, mourez maintenant dans le nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique est en train d'amplifier le caractère mauvais de mes enfants, de mon mari, mourez maintenant dans le nom de Jésus. Ce pouvoir maléfique est en train d'amplifier la
pauvreté dans ma vie. Ah oui, la sécheresse dans ma vie, la limitation dans ma vie. Papa, laisse qu'il meure dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs maléfiques qui est en train d'amplifier les vagabondages dans la vie de mes enfants. Père, laisse qu'il meure dans le nom de Jésus. Ces pouvoirs maléfiques qui est en train d'amplifier les troubles dans mon ménage. Ah oui, papa, laisse qu'il meure dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, que ta voix ébranle l'ennemi hors de ma destinée, dans les noms de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, que ta voix ébranle l'ennemi hors de ma destinée, dans les noms de Jésus-Christ. Voix de Dieu, voix du Seigneur, lève-toi, tourne et ébranle l'ennemi hors de ma destinée. Fais-le sortir l'ennemi de ma maison, de mon ménage, dans le nom de Jésus. Oh Père, laisse que ta voix ébranle, fasse sortir l'ennemi hors de ma santé, hors de mon corps, dans le nom de Jésus. Papa, laisse que ta voix ébranle la pauvreté, la limitation, hors de ma destinée, hors de la destinée de mes enfants, les échecs. Oh oui, Seigneur, laisse que ta voix ébranle les troubles hors de mon ménage, dans le nom de Jésus. Papa, laisse que ta voix ébranle la pauvreté, la faillite hors de mes entreprises, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Papa, merci. Puisque ta voix a tonné et a ébranlé l'ennemi hors de nos destinées, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi notre gloire et celui qui nous relève la tête. Merci, Père, Papa, de t'élever et de nous élever, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, éternel, oh Dieu, les pleurs ne remplaceront pas les rires dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oui, éternel, oh Dieu, Papa, merci, puisque tout est levé, tu as arraché les armes des mains de nos ennemis, dans le nom de Jésus. Père, merci, puisque ta destruction soudaine est tombée sur tous les pouvoirs qui nous donnaient des mauvais rêves, dans le nom de Jésus. Papa, nous allons couvrir nos réponses dans le sang de Jésus. Merci pour le ministère angélique qui était à l'œuvre, ô tendre Père. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a fortifiés, ô Père. Merci pour le sang de Jésus qui était notre bouclier. Alléluia, au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout esprit, toute personnalité en colère qui s'élèverait pour réclamer nos bénédictions. Ô Père, laisse que la destruction soudaine s'abatte sur eux au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura ni regroupement, ni renforcement de l'ennemi contre nos prières, contre nos familles, contre nos biens au nom de Jésus-Christ. Amen.